entraîne-toi à la play. Là, il sait pas ce qui va lui arriver, toucher le marteau. Hein. Mais là, c'est pour lui faire comprendre que fallait pas casser mon téléphone. Je suis pas sûr qu'elle marche encore là. Salut Internet, comment ça va aujourd'hui? Salut Internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire une dédicace à Rémi qui m'a offert le masque que vous venez de voir, c'est un fan. Et il m'a vu dans la rue, il m'a donné le masque, donc j'ai promis de faire une dédicace dans cette vidéo. Donc je lui fais dédicace à Rémi. En parlant de dédicace les amis, aujourd'hui je vais dédicacer certaines personnes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc grosse dédicace à Vartox FR, à MS Jordan Streaming et Vlog, à Romain Chaud et Nicolas Picard, à Sébastien Petrequin, à Brandy Maertens, à Maxence Collen, à Isaac Kiki 09 et à Alex 72. Tous ces gens que je vais dédicacer ont souscrit un abonnement à ma chaîne YouTube. Avant, je ne faisais pas de dédicaces, mais vous avez été nombreux à m'en demander. Et pour ça, j'ai trouvé un moyen de filtrer le maximum de personnes, justement en mettant en place une souscription à ma chaîne YouTube. Donc c'est simple, si tu veux ta dédicace dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne, à souscrire un abonnement à 4,99€ ou à 10€ selon tes moyens. Ce n'est pas obligé et tu auras ta dédicace dans ma prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, vous allez vous demander, ouais Kamof, c'est bizarre. T'as une tenue de ski sur toi, etc. Tout simplement parce que je vais aller au ski avec mon équipe et on va tourner une vidéo. Mais je ne vais pas au ski comme ça par pur hasard. Je vais au ski grâce à Boy Pro. Pour moi, c'est l'un des meilleurs parieurs sportifs. Donc les amis, c'est simple. Si vous aussi vous voulez partir en vacances, si vous aussi vous voulez essayer de gagner de l'argent avec des paris sportifs et si vous êtes fan de football, de tennis ou de rugby, n'hésitez pas à rajouter Boy Pro sur Snapchat, il s'affiche juste en haut. C'est simple, rapide et efficace et bien entendu, il faut être majeur. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai une personne, quand j'étais au collège, qui s'amusait un peu à frapper les plus petits et à mettre la misère. Quand moi j'étais en 6ème et que lui il était en 3ème, cette personne s'amusait à me faire des trucs pour me rabaisser, à m'intimider, à m'humilier devant les gens. Et il faisait ça à beaucoup de personnes. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons tous grandi et je suis rentré en contact avec cette personne, lui faisant croire que je voulais le voir juste comme ça pour prendre des nouvelles, etc. Donc je vais lui donner rendez-vous, je vais voir sa réaction, s'il a changé ou pas. Et en fonction de ce qui se passe, on interviendra et on fera les choses comme on a l'habitude de les faire. Mais là, j'attends le mec qui m'a donné rendez-vous. Peut-être qu'il va pas venir, mais s'il vient, ça va mal se passer, ça c'est sûr. C'est lui. Ça va ou quoi? Ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors? Tranquille? Ouais, alors? Tu te rappelles de moi? Ah oui, on était ensemble et tout. Ouais, alors? Ça va ou quoi? Je le viens. Tranquille, frérot. Toujours. Non, toujours tranquille, le travail, machin. Ouais? Ouais, toujours la même chose. Et toi? Ça va. Tranquille. Ça va, tranquille. Tu dis quoi maintenant, ça y est? Ouais, toujours. Ça va, tranquille. Alors, on fait toujours raqueter sinon? Raqueter? Ouais. Non, je ne fais pas raqueter. Pourquoi tu veux que je me fasse raqueter? Ah, avant, frère, tu es victime, hein? Ah, mais c'était au collège, ça, frérot. Ah ouais, mais j'étais en 3ème. Non, mais j'étais. J'étais en 3ème, j'étais en 6ème, frérot. Qu'est-ce que ça, c'était. Je te sens tendu. Non, du tout. Non, pourquoi je me sentirais tendu? Pourquoi? Tranquille, frère. Non, voilà, moi j'ai ma société et tout, tu vois, ça se passe bien et tout. Société de quoi? Société de production cinématographique, tout ça. Oh, bien, ça veut dire que tu es bien payé maintenant? Ça va. Ah, on essaye de faire un peu comme on essaye de faire comme on peut, tu vois, voilà. Tu habites toujours là-bas, là? Ouais, toujours à côté, là. Ouais. Tu es venu comment, je suis ici? À pied, je suis à côté. À pied? Je suis venu à pied, ouais. Ça va, tranquille. Ouais. Sinon, tu as pas une cigarette ou quoi, par hasard? Si, ouais, j'ai une cigarette. C'est que moi? Tu veux une cigarette, hein? Ouais, vas-y, demande ça. Ramon le paquet, frérot. S'il te plaît, ramasse pas, frérot. S'il te plaît, on était à 6ème, là, vas-y, s'il te plaît. Je veux le veille. Poto, s'il te plaît, je suis gentil, mais je te parle gentiment. Ouais, mais moi aussi, je suis gentil. Tu viens, tu me dis, tu veux. Parce que tu es encore une victime, là. Tu es encore une victime comparé à avant. Fais voir ton téléphone. Mais j'ai pas de téléphone, j'ai mes écouteurs. Tu as des sous pour payer le paquet? Comment ça, je vais te payer le paquet? Tu es bien fou, quoi, frère? Tu vois, je vais te payer le paquet? Ouais. Pourquoi je te paierai le paquet? J'ai même pas de sous sur moi.
Je m'en fous. Mais non, frérot, arrête. Arrête. Arrête, frère, arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Frérot, vas-y, arrête. Non, mais je t'explique, Arrête de faire n'importe quoi, frérot. Je vais te dire un truc. J'avais changé, t'as pas changé. Non, j'ai pas changé. J'ai des vidéos sur toi. Quand tu étais au collège, j'ai envie qu'ils soient divulgués parce qu'à mon avis, tu veux pas que ce soit divulgué. Assieds-toi, donne-moi ton téléphone. Je te joue mon téléphone, frère. Tu veux que ce soit divulgué? Tu veux que je te montre? Tu veux que je te montre les vidéos? Je les ai, hein. Non, non, je veux pas que tu me montres, je m'en fous. C'est bon, ils sont là, hein. Non, non, c'est bon, je veux pas. Non, j'ai pas donné mon téléphone, frère. T'es sérieux ou quoi? Non. J'ai pas de téléphone. C'est des écouteurs, y'a pas de téléphone. Tu veux que je t'emmène ou quoi? Pas de téléphone. Non, qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais pas te donner mon téléphone, frère. S'il te plaît, arrête de faire ça, s'il te plaît, frère. S'il te plaît. Ah ouais, vas-y, donne-moi ton t-shirt, il a l'air pas mal. Non, ça ne parle pas de t-shirt. Ton t-shirt, frère, arrête. Tu vas me voir t-shirt. Oh, gros, donne-moi ton t-shirt. S'il te plaît, réalise ce que tu fais. Réalise ce que tu fais. Donne-moi ton t-shirt. Mais réalise ce que tu fais. Parce que je suis pas d'accord. J'ai 30 ans maintenant, qu'est-ce que tu fais, gros? T'es une grosse pas changée. J'ai toujours une petite victime, tu sais. Je vois pas si ça se voit ta gueule. Ah, mais frérot, attends. T'as arrêté de te voler, frère. T'arrivais limite en babouche tellement. Je faisais de la peine, on te laissait tranquille à la fin, tu vois pas? Mais pourquoi tu rabaisses les gens comme ça? Ça, je comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Parce que... Ça fait au moins 15 ans, frère. Ben même 15 ans, mais même 15 ans, t'as pas changé. T'as n***** pas, en fait, des gadgets, ou c'est plutôt des mecs, toi? En fait, ton but, c'est quoi, là? Venir faire quoi, aujourd'hui? Moi, à la base, je suis venu prendre tes affaires. Je suis venu prendre tes affaires. En plus, tu me dis que tu es bien, tu as une société, je sais pas quoi. Je veux prendre tes affaires. Moi, je suis un galérien, encore. Je prends tes affaires. Si c'est la rue, frère. C'est, on n'est pas chez papa, maman, société, les bourges. Moi, je suis là, je galère, je veux tes affaires. Voilà. Je veux prendre tes affaires. Ouais, je te vole. Tu vois, je pensais que tu avais changé, moi. Ben, je n'ai pas changé. Au contraire, ça a empiré, tu vois. Maintenant, je veux prendre tes affaires. Tu veux que je te fasse comment? À l'ancienne, je te défonce la bouche. Je te casse la bouche comme avant. Je te mets un sang dans les shorts. C'est ça? Tu veux que je te la mère? C'est pas bien de parler comme ça. Tu veux que je fasse quoi? Ça va pas bien. Tu veux que je fasse quoi? Je veux que je fasse rien. Je veux que je te mets à quatre pattes. C'est ça que tu veux? Non, je veux que tu me laisses tranquille. Tu veux que je te laisse? Ben, donne-moi tes affaires. Donne-moi tes affaires. Par contre, que je te recroise jamais dans la rue. 30 ans bientôt, qu'est-ce que tu fais, gros? Je m'en fous, vas-y, donne-moi ça. Arrête, gros, mais arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ça, moi, tu es bien, tu es tranquille, donc j'ai tes affaires. Arrête. Vas-y, remets la casquette, s'il te plaît. Arrête, allez, s'il te plaît. Non, mets-toi par terre. Vas-y, mets-toi par terre. Je te donne ma casquette. Je vais frapper. Je te donne ma casquette. Vas-y, ouais, mais je l'ai prise. Pas en boule. Ça y est, je l'ai déjà prise. Allez, 1. 2. Qu'est-ce que tu dis, gros? C'est bon, je suis à genoux. Je suis à genoux, frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi de plus, là? Tu veux que je fasse quoi de plus? Arrête! Aïe! Arrête! Reste par terre. Putain, tu crois que je vais rester par terre? Je veux pas rester par terre, frère, qu'est-ce que tu racontes? Je vais appeler Soso tout le monde, là, parce qu'ils doivent être. Ils sont pas loin, ils sont planqués exprès. Allô? Ouais, So, rassure-moi, vous l'avez suivi, le mec? Vous l'avez vu? Ouais, le vois. Nous, on va se positionner avec le caméraman en traître, d'accord? Et ouais. Faites comme si vous voulez le racketter. Tu vois, il comprend ce que ça fait de se faire humilier et de se sentir rabaissé comme il a fait, ok? Mettez des écouteurs. C'est bon. Ok? Vas-y. Allez, ça va, vas-y, à dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, quand moi je suis parti en courant, j'allais dans l'autre sens et l'autre il est reparti. Ils vont faire semblant de le racketter pour qu'ils comprennent ce que ça fait de se faire racketter et de se sentir inférieur à quelqu'un tout simplement. Donc on y va vite avant que ce soit trop tard. Allez, c'est parti. Là, c'est bon. Oh, mon ami! Ça va quoi? Connais? Ça va quoi? Ah, ça y est, cool. Ouais, ça va, tranquille. Mets-toi sur le côté. Attends, on va poser des questions simples. Pourquoi des coups, qu'est-ce qu'il y a? T'es où là? Tu t'es où avant? J'étais en train de boire un verre. Qu'est-ce qu'on fait, frérot? On fait semblant d'y aller? De passer devant pour. Hop là, on part devant, arrête! Laisse là, là-bas! Touche pas! Ah, tu veux repartir à Paul? Ah, viens, s'il te plaît, viens! Quoi? Tu le connais? Tu ouais, je te connais. S'il te plaît. Qu'est-ce que t'arrives? Pourquoi tu as une caméra là? C'est mon ami, parce qu'on faisait un petit truc. Je t'ai dit, il y avait une production tout à l'heure de société de vidéos. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était quoi là? Non, je les connais pas. Pourquoi j'ai des coups qui ont une caméra? Parce que je faisais une vidéo, j'étais en train de faire une vidéo là. Bon, par hasard, ça va. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tout ça, toi. Vas-y, c'est pas mes histoires, frérot, moi je me taille. Ça va, s'il te plaît, viens. Mais vers quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a un bruit. C'est pas mes histoires, moi, frangin. Ça va, vas-y. C'est pas mes histoires, pourquoi je vais mêler? S'il te plaît, viens. Tu vois la situation là?
Mais frérot, tout à l'heure, la situation c'était quoi? J'étais tout seul tout à l'heure. Il y a quoi? Il y a même pas une demi-heure. J'étais tout seul, tu m'as pris la casquette. D'ailleurs, c'est ma casquette celle que vous avez dans les mains. Ah, mais attends, il t'a fait quoi? Il t'a volé? Oui, ma mère, il m'a raquetté. Il t'a pris la casquette, ça aussi? Il m'a pris que la casquette. Et mon paquet de cigarettes, exact. Le paquet de cigarettes? C'est bon, mon pote, moi. Il t'a pas pris ton téléphone. Tu m'étais, mon frérot, j'ai des trucs à faire, je suis obligé de partir. T'as raison, frérot. Attends! Attends, s'il te plaît. Vite tes poches. S'il te plaît, vas-y, vite tes poches. Attends! Attends, s'il te plaît, vas-y, ça va, s'il te plaît. Bah attendez, les gars. Attendez. Vous le connaissez, vous? Non, je le connais pas. Ça va ou quoi? Bien. Tranquille. Okay. C'est mes potos. Oh, ça fait bon. Fais attention comme tu parles, parce que sinon je me taille. Et j'ai... moi, je... Fais attention à comment tu parles. Ça va ou quoi? Tu m'as dit non, il n'y a même pas 30 secondes. Bien. Alors, c'est juste pour que tu comprennes ce que ça fait. Tu vois, en fait, ça, c'est mes amis. C'était une caméra cachée, parce que quand je dis j'ai une société, ouais, je fais des vidéos sur YouTube. Pour piéger les skills comme toi. C'est mon taf. Tu m'as fait la misère quand j'étais au collège, j'étais en 3ème. Aujourd'hui, on a 4, toujours 4 ans d'écart, mais je suis un peu plus grand. Tu vois ce que je veux te dire? Et tout à l'heure, j'ai fait exprès de faire la den. Je suis pas une den, frérot. Je suis pas une den, parce que maintenant, si tu veux, je suis déter, on va dans un coin, y'a pas de problème. Donc les gars, moi je vais te laisser tranquille avec mes amis. On va bien s'occuper de lui. Merci. Passe une bonne soirée. Ciao, bonne soirée pour toi, bientôt. Et tu bouges pas. Pas bouger. Ah, je te fais cadeau tout ce que tu m'as volé quand j'étais plus jeune, les années où tu m'as tout pris là. Merci. Tout ce que tu m'as pris quand on était au collège, que j'avais 11 ans, que j'en avais 15, je te l'ai fait cadeau. Hein? Va pas te plaindre au CPE. Y'a pas de CPE là. T'es sorti. Sinon, on te retrouvera en sortie. Une croquette. La galette. Je la galette. À préciser qu'il s'est mis à genoux tout seul. Personne ne l'a forcé, j'ai rien fait du tout. Il s'est mis à genoux tout seul. Donc, les amis, nous, on le laisse comme ça. Et on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour une petite conclusion. Ciao. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis avec mon poteau Virus Knight. Pourquoi on l'appelle virus? Parce que c'est un virus, il s'incruste n'importe où. Vous allumez l'ordinateur, il peut être là. Vous allez sur votre téléphone, il peut être là. Je fais une vidéo, il est là. Le mec, il est là, c'est un virus et c'est pour ça qu'il s'appelle Virus Knight. Rajoutez-le sur Snapchat, bien évidemment, il s'affiche en haut. Et c'est un Snapchat bidon parce qu'il n'a pas internet, il n'a rien, il n'a pas de portable. C'est vraiment un virus, le seul moyen que vous ayez de le contacter ou de le voir, c'est dans la rue à tout hasard, on sait jamais. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez porter notre marque, vous savez où vous rendre, sur www.futuratech.com. Il y en a pour tout le monde, que ce soit les garçons, les filles, les enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes victime de harcèlement ou d'intimidation au collège, ou si quelqu'un s'amuse à vous humilier, n'hésitez pas à en parler à vos parents ou justement aux professeurs ou au CPE. Il y a des psychologues qui peuvent être mis en place pour ça au collège et pour vous aider à sortir la tête de l'eau et justement pour punir les gens qui s'amusent à faire ça. Faut savoir qu'en France et dans le monde entier, il y a beaucoup de jeunes, d'enfants qui se suicident parce qu'ils n'ont aucune réponse à apporter aux humiliations et à la maltraitance que certains élèves leur apportent. Voilà, n'hésitez pas à en parler si vraiment vous êtes victime et si vous vous sentez concerné par cette vidéo. C'est très important. En ce qui nous concerne, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Kamoff. Gros bisous à tous et faites attention à vous. Ciao. Attends, on va faire un truc. Attends, mais viens. Il faut surtout pas que tu bouges. Attends. Attends, j'ai fait un truc de fou. Ne bouge pas d'un poil, frérot. Pas d'un poil. Ni les yeux, ni la tête, rien, d'accord? Oh. Putain, il a disparu. Je vous ai dit, c'est un virus. Le mec, il a apparu, il disparaît comme ça. Il fait sa vie, du coup, j'ai pas compris. A plus.